Mesdames et messieurs, le président de la 36e cérémonie des Victoires de la musique, Jean-Louis Aubert. Alors, président d'honneur des Victoires de la musique. Bon, heureusement que vous m'avez appelé gentiment pour me le demander, parce que président, c'est pas facile par les temps qui courent. Le présidentiel a été remplacé par le présentiel dans nos espoirs. D'honneur. D'honneur. Wow. D'honneur. Oh non, non, pas d'honneur de leçon, non. Mais avec l'honneur, plus la médaille est grande et plus son revers est large. D'ailleurs, les médailles ne servent que ceux qui les remettent. Bon, je propose qu'on remplace le D par un B, ça fait bonheur. On en a besoin. Il reste victoire. Victoire, victoire de la musique. Ça me gêne un peu, c'est un concours. C'est un concours de chanteurs en fait. De chanteuses et de chanteurs. Qui va gagner ? Non, en écoutant attentivement les artistes sélectionnés ce soir, j'ai réalisé qu'ils faisaient tout pour partager ce qu'ils aimaient, ce qu'ils avaient dans le cœur et parfois sur le cœur. Et que le succès, s'il arrivait, eh bien, il viendrait après. Ils portent en étendard leurs différences, leurs défauts, donc leurs particularités, leurs handicaps émotionnels, et cette victoire, c'est sur eux-mêmes qu'ils l'auront emportée. Ouais, on dirait un président, quoi. Je profite de la présence ou de l'absence de Madame la ministre. De l'absence, peut-être. Je profite de sa présence ou de son absence pour ne rien réclamer. En effet, quand j'ai commencé la musique, je ne pensais pas que l'État y était mêlé en quoi que ce soit, vu que tout dans la société dans laquelle je grandissais semblait m'interdire de faire la musique que j'aimais. L'État ne m'a rien donné, jamais. Et je lui ai beaucoup rendu. Et je ne regrette rien. Tout ce que je vous demanderais, Madame la ministre, c'est de continuer de prendre soin de tous ceux qui vivent et bossent autour de nous. Les musiciens, les équipes techniques et discographiques, les organisateurs de spectacles. Pas longtemps, pas longtemps. Juste le temps que nous puissions reprendre la route. Ce qui nous donne vraiment, sont ceux qui viennent nous voir en concert. Et à cela, je dis vivement que les artistes présents ce soir et moi-même, nous nous retrouvions sur les routes de France pour fêter la joie de notre liberté retrouvée. Allez, espoir, espoir. C'est pour bientôt. Cet été, c'est bon. En attendant, et devant cette salle presque Covid et sur vos écrans copleins de vos anxiétés que je comprends tellement, de vos attentes, de votre ennui parfois, mais aussi ce soir, d'un peu de bonheur, je l'espère, de tout mon cœur, je déclare ouverte les 36e victoires de la musique. Merci, merci beaucoup, président Jean-Louis Aubert, d'avoir ouvert cette soirée. On vous retrouve, cher Jean-Louis, un peu plus tard. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la scène musicale
en direct sur France 2, sur France Inter et France 2.